Les résultats préliminaires des élections législatives en Arménie sont tombés. Le parti du Premier ministre Nikol Pachinian, le contrat civil, a obtenu la majorité avec presque 54% des voix. L'Alliance Arménie, dont la tête de liste est le second président d'Arménie, Robert Kocharyan, a obtenu 21% des voix, tandis que l'Alliance J'ai l'honneur, menée par le troisième président d'Arménie, Serge Sarkissian, et l'ancien homme de confiance de Pachinian, Artur Vanetsian, rafle 5,23% des voix. Avec ces résultats, les candidats des forces Arménie et J'ai l'honneur occuperont des sièges au Parlement, puisqu'il faut trois partis ou alliances au sein de l'Assemblée nationale selon la constitution arménienne. Robert Kocharyan a annoncé que ces résultats sont, selon lui, très controversés et n'inspirent pas confiance, ne reflétant pas les sondages d'opinion en faveur de son alliance. Robert Kocharyan a ajouté que tant que les doutes ne seraient pas dissipés, l'alliance Arménie n'acceptera pas les résultats des élections. Pourtant, les élections se sont passées sans violation majeure dans les bureaux de vote du pays. Le taux de participation s'est élevé à 49,4%. Selon les observateurs internationaux, leur travail d'observation a pu se faire sans encombre. Ils ont également ajouté que les élections correspondaient aux standards européens. Pour la plupart des électeurs, il s'agissait d'un processus électoral qu'ils ont qualifié de normal. La majorité des personnes interrogées ont dit que dans les urnes se jouait le futur du pays. C'est maintenant une question d'heure avant l'annonce des résultats définitifs qui ne seront pas si différents des préliminaires. Les enjeux sont de taille, alors que le gouvernement de Nikol Pachinian peine dans la gestion du pays suite à la guerre du Haut-Karabakh à l'automne 2020. Le peuple arménien a décidé de donner une seconde chance au Premier ministre. Plus question pour lui de décevoir.